vraiment digne d'être adoré. On voudrait vraiment chanter, vous les glorifier pour ce qu'il est pour nous. Ah, il fait des grandes choses. Et il a fait des merveilles pour nous hier. Et nous sommes vraiment dans cette attente. Qu'il soit vraiment béni, exalté encore pour tout ce qu'il fait et qu'il fera encore. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur. Et ce soir, nous le remercions vraiment. Ce qui nous a donné encore la grâce d'être encore parmi les vivants, ceux qui le chantent de tout leur cœur. Le Seigneur aime qu'on le loue comme ça. Ah oui, il a vraiment que le cœur, l'âme, qui sereinement. C'est pourquoi sentez-vous aller. Si vous voulez danser, dansez pour lui. Alléluia. Ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent dire. Vous simplement louer. C'est merveilleux, frère. Nous ne pouvons pas rester insensibles pour tout ce qu'il fait pour nous. Nos cœurs et nos âmes se lancent à son mouvement. Il n'y a point de Dieu sans moi. Il est vraiment unique en sa manière de faire les choses et nous ne pouvons que le glorifier et lui dire merci. Que son Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse aussi d'être venu en séjour à sa vie et surtout à cette heure-ci aussi. Que le Seigneur soit béni. Qu'il vous fortifie vraiment et qu'il vous accorde la grâce de pouvoir recevoir ce que votre cœur désire. Si déjà nos cœurs sont touchés de pouvoir avoir cette allégresse, à combien pour votre raison le cœur de Dieu. Il lui est réellement aussi, c'est le juif de pouvoir voir son peuple louer et l'adorer avec des danses et des tambours. Lèvons-nous pour le louer et lire dans le psaume 115, psaume au chapitre 115. Il est digne d'être adoré. Chantons les chants du Seigneur pour le jour de notre vie. Parce que nous savons une chose, c'est que pour nous, il a fait des grandes choses. Il continue encore à le faire. Ah, je prie pour qu'il vous bénisse vraiment. Qu'il vous remplisse davantage. Psaume 115, non pas à nous. Amen. Éternel, non pas à nous. Alléluia. Mais à ton nom donne gloire. Amen. À cause de ta bonté. Amen. À cause de ta fidélité. Amen. Pourquoi les nations diraient-elles où donc leur Dieu? Amen. Notre Dieu est au ciel. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Amen. Et sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche et ne parlent point. Amen. Ils ont des yeux et ne voient point. Amen. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont un nez et ne sentent point. Ils ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Et ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Ainsi, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous et il bénira. Amen. Bénira la maison d'Israël. Amen. Bénira la maison d'Aaron. Amen. Bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen. À vous et à vos enfants. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui se lèvent à l'Éternel. Amen. Ce n'est aucun de ceux qui sont dans les lieux du silence. Mais nous bénissons l'Éternel. Amen. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Amen. Pour leur te dire merci. Parce que réellement tu nous bénis, mon sauveur. Réellement parce que tu as répondu encore ta bénédiction, mon béni, le Seigneur. Sur chacun de nous, mon sauveur béni. Nous souvenons de ce que tu as fait pour nous hier, Père. Nous te remercions encore de tout notre cœur, mon roi. Nous sommes réellement conscients, mon béni, le Père. Tu as baptisé du Saint-Esprit. Tu as guéri par la mort et le Père.
chanter encore pour ta gloire. Nous souhaitons ce que tu as fait pour nos pères. Tu as pardonné nos péchés, roi. Tu as léché nos cœurs, pour les mêmes partisans. Tu as ôté les droits d'eau, tu as guéri, roi. Tu as les mains baptisées du Seigneur sur les pères. Tu as rempli leur cœur, celui qui est parmi. Seigneur, nous allons faire un corselon. Parce que nous croyons avoir reçu le nom de nos cœurs. Nous savons que c'est Seigneur pour nos pères. Béni soit-il encore ce soir. Gloire et son Dieu, roi pour. Tout ce que tu fais, Père, les chantiers, ta vie du jour monté, va se contourner la soie. Vos adorations aussi, c'est le même parfum, le bon odeur que tu as créé aussi, mon maître béni. Oh, nous sommes vraiment heureux, mon Père, Père, nos cœurs sont libérés, nos cœurs sont dans la joie exaltante, notre souverain maître béni, Père. Tu as fait vraiment des merveilles pour nous, Père. Tu es excellent, mon Père, mais pas puissant. La manière de faire les choses, mon Père, mais pas puissant. Oh, Dieu, c'est vraiment toi. Béni sois-tu, mon sauveur. Louange à toi. Nous pensons aussi à nos frères, à nos soeurs, aussi, Père. Les différents endroits sont encore aujourd'hui, mais pas puissant. Et ceux qui sont aussi en connexion, Père, qui sont aussi participants, c'est que nous recevons de ta part. Ils sont aussi bénis, mon sauveur. Pardonne pour ainsi prier, nous merci, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux parce que nous réalisons aussi cette grâce que notre Dieu nous accorde. Et chaque jour maintenant où nous tenons dans sa présence, le Seigneur est en train d'agir dans chacun. Et nous trouvons réellement beaucoup de plaisir à pouvoir venir aussi chaque jour. Même si le corps en certains moments se sent faible. Mais l'esprit s'est réjoui. Ah, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi cet homme, David, pouvait dire un jour dans ton parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et je suis dans la joie. Amen. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un petit moment, mais combien ça sera lorsque nous serons dans sa présence. Et cela toute l'éternité. Et cela tout le temps. C'est pourquoi sur la terre, nous voulons vraiment nous efforcer de tout notre cœur à lui donner le temps qu'il faut. Afin que réellement il puisse nous accorder aussi la grâce de pouvoir prendre possession de nous comme il veut. Et c'est surtout aussi parce que nous voulons entrer aussi dans une nouvelle année avec des dispositions tout à fait différentes. Avec le cœur et l'âme et l'esprit aussi disposés à ce que le Seigneur puisse avoir la domination sur nous. Nous voulons cette domination. Parce que s'il ne domine pas sur nous, nous ne pouvons absolument rien faire. Parce que nous nous battrons tout le temps, nous nous battrons contre lui, nous battrons contre sa parole. Mais si par contre il domine sur nous, alors nous sommes dans l'ordre. Et c'est lui qui nous fait avancer et nous nous sentons réellement conduits. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et à cela que nous battons tous et nous prions que le Seigneur nous aide à vraiment trouver grâce, que le Saint-Esprit qui a commencé ce travail à nous puisse vraiment davantage et encore dans la profondeur de notre âme agir encore et surtout nous remplir et qu'il puisse manifester vraiment ce qu'il y a à nous, qu'il a déjà lui-même aussi déposé, à savoir la nature de Christ. Et quand Christ est à nous maintenant, les choses deviennent encore beaucoup plus claires pour chacun de nous. Nous voulons posséder notre Seigneur. Amen. Nous voulons vraiment qu'il puisse être à nous. Si hier j'étais négligent dans certaines choses, je voudrais qu'aujourd'hui ça soit différent. Amen. Je voudrais vraiment que ma vie soit aussi totalement consacrée à Dieu et que nous pensions. Vous remarquerez très bien que depuis ce jour que nous sommes là, nous ne sommes plus pareils. Les choses sont en train de pouvoir réellement. Si vous ne changez pas, ce qu'il y a un problème. Amen. Mais au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, nos désirs même commencent à pouvoir prendre nos dimensions. Et surtout ce qu'il a fait pour nous hier. Nous sentons qu'il y a une autre dimension dans laquelle nous sommes en train de pouvoir réellement nous avancer. Et j'ai lu le livre de ma soeur, de Carole. Et cette soeur, elle est particulière. Alors elle me dit, j'ai suivi la prédication, mon frère. Et comment vous avez dit que je vais vous choquer? Elle dit, moi, je n'étais pas choqué. Elle dit, moi, je n'étais pas choqué. Mais c'est tout à fait biblique que le pasteur soit comme l'époux de l'église. Et que l'église soit soumise au pasteur. Amen. Alors, elle me dit, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que dans l'assemblée, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je n'ai entendu dans l'entête des sœurs, mais pas beaucoup de frères. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. J'ai dit, que Dieu soit béni. Mais c'est sûr, vous avez beaucoup de gens suivis. Et ils vous entendent aussi, ils vous observent aussi. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement aussi réaliser cette grâce que le Seigneur, notre Dieu,
nous donne de manière à ce que nous puissions être insoumis. Alors, nous prenons dans le livre de Philippiens, comme cela, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous fait donc savoir quelque chose qui est aussi important pour nous, auquel nous devons aussi arriver à pouvoir, si nous approchons, nous avons eu l'occasion. Mais je voudrais lire Philippiens au chapitre 3. Je voudrais donc lire à partir du verset 4, il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis de 8e jour de la race d'Israël, être lui de Benjamin, hébreu, mais hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles je renonçais à tout. Et je le regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Nous voulons te remercier, Père, pour cette grâce encore que tu nous aides. Et là, nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu te révèles encore davantage à nous, que tu nous instruises bien de notre personne, parce que nous voulons être semblables à toi. Dans tout ce que tu es dit, dans tout ce que tu es Père, et sur la terre, tu veux te refléter aussi au travers de ceux-là qui sont à toi et qui s'accrochent à toi. Merci pour des hommes comme Noé, Père. Merci pour des hommes comme Abraham. Merci pour des hommes comme Joseph, comme Isaac. Seigneur, nous te remercions parce que la liste est tellement si grande, mon sauveur. Nous t'as témoigné parce que tu as eu des hommes qui se sont vraiment accrochés à toi. Et depuis les temps anciens, tu t'es reflété, mon bénévole Père du Saint. Aujourd'hui encore, tu es vraiment parfait. Béni sois-tu encore en cette soirée. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà eu à pouvoir venir. Nous remercions toujours Dieu, notre Seigneur, monsieur Dieu. Il aime nous ramener dans les choses que lui considère importantes pour nous, qu'elles soient vraiment ancrées dans chacun de ses enfants. Pour que vous souvenez dans les Saintes Écritures, le jour de Pentecôte, quand cet homme, l'apôtre Pierre, a eu à pouvoir prononcer la parole et effectivement prêcher à tous ceux qui étaient là. Et puis plus loin, au verset donc 40 de cela, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Elle dit qu'en fait, que nous sommes appelés à pouvoir persévérer dans ce que nous avons reçu et entendu et que nous avons reconnu comme étant certaine et qui est réellement conforme aux Saintes Écritures. Parce que ce qui est conforme à la parole de Dieu vient toujours de Dieu. Et le Seigneur a dit, je sais que vous êtes vraiment triste, mais ne soyez pas triste parce qu'il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, donc le Consolateur ne viendra pas. Donc je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité. Donc le Seigneur, notre Dieu, vient que nous soyons affermis dans la vérité, effectivement, et que nous y soyons ancrés. Et cela, ce que cet homme de Dieu ici, et lui-même, il nous fait part, effectivement, en disant, comme nous l'avons lu, effectivement, dit, il y a eu beaucoup de choses que j'avais eu à pouvoir recevoir et entendre, des Gamaliel, des doctrines par-ci et par-là, effectivement, et qui ont fait de moi un pharisien, donc un homme légaliste. Parce qu'il dit, mais quant à la loi, pharisien. Donc j'étais un homme qui était vraiment planté dans ces choses-là. Et pour moi, c'était les choses qui étaient vraiment principales et pour lesquelles je m'étais donné tout entier à cela. Parce que vous vous souvenez quand même que c'est lui quand même l'apôtre Paul qui a eu à pouvoir réellement aussi donner aussi sa voix effectivement le jour où on lapidait Étienne. Étienne qui lui parlait effectivement du salut qui est venu par ces Jésus le Christ effectivement et qui lui était réellement le Messie qui lui avait
connu, qu'il avait reçu effectivement si, mais cela faisait que ça graissait les dents. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, lorsque Étienne avait commencé à pouvoir parler, quand on l'a arrêté, on l'a amené là effectivement devant le Sanhédrin, il y a quelque chose qui était différent effectivement, qu'on pensait qu'il allait trembler, il allait avoir peur effectivement. Mais il y a eu une force, effectivement. Il a saisi, effectivement, l'homme. Et l'homme s'est redressé. Vous savez ça, non? Amen. Dans les cas, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup que Dieu vous bénisse vraiment. Et c'est pour ça que lire la parole de Dieu est toujours important. Pour chaque enfant de Dieu, être nourri de cela. Et voyez, parce qu'en anglais, on parle de bonheur. C'est-à-dire qu'une attitude de fermeté, de cette assurance. Frères et sœurs, c'est cela ce que... Parce que Dieu, le Seigneur, a dit ceci, qu'on vous amènera devant les tribunaux. On verra ceci et cela, mais ne préparez pas, ne promettez pas, je l'ai dit, mais alors même, Alléluia. Le Seigneur vous donnera ce qu'il faut. Vous vous souvenez de ça? Et voilà que dans le chapitre 7, effectivement, des actes, alors que Étienne était un diable, vous vous souvenez, non? Et comment il avait été, donc... choisi pour qu'il le soit, parce qu'il aimait Dieu, il avait la foi, et puis les gens rendaient témoignage de cet homme, effectivement, de manière à ce qu'on savait, on voyait ce qu'il faisait. Donc, dans le chapitre 6, c'est là où il parle de lui, effectivement, parce qu'ici, je crois que, chapitre 7, je pense que c'est cela, oui, chapitre 7, puis... J'aurais aimé peut-être qu'on dise à partir du chapitre 6. Okay. On va lire à partir du chapitre 6, vous voyez, c'est quelque chose qui était aussi. Donc chapitre 6, effectivement, je voulais, nous lisons à partir du chapitre 6, verset 3, il dit, c'est pourquoi, d'abord verset 2, il dit, verset 1. En ce temps-là, donc, le nombre des disciples se augmenta, donc les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui s'est faite chaque jour. Les 12 convoquèrent dans la multitude des disciples et dirent, il n'est pas bon, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez par exemple cet homme de qui nous rend un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut donc à toute l'assemblée. Ils élurent donc Étienne. Étienne, c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et aussi Philippe, encore, et alors, ainsi. Il les présenta donc aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent donc les mains. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait donc à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait donc de prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, donc avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent donc des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils élurent donc le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent donc de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Vous ne voyez rien, frères et sœurs? Vous ne voyez rien? C'est que le Seigneur l'avait dit. Si nous l'avons entendu ici, ce qu'on fait à moi, on le fera aussi à vous. Alléluia. Voyez-vous, quand un homme ou une femme a l'esprit du Seigneur vrai, il va réellement subir ce que le Seigneur a subi. Amen. La preuve, elle est là. Avec Étienne, il n'a rien fait de mal. Il a simplement parlé de la parole de Dieu. Et regardez comment la haine. Parce qu'il a dit, c'est lui, que si mon haï, ils vous haïront aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la parole ne se contredit jamais. Et voici effectivement lui, on a même produit des fautes, mais on a fait exactement avec lui comme on a fait avec le Seigneur. Devant le Seigneur, le Seigneur, on a produit des faux témoins. Il a dit qu'il va détruire le temple ici, il va le rétablir. Vous savez, non? Amen. Et ici aussi, ils ont soudoyé. Vous vous rendez compte? Des gens qui disent être croyants. Frère, vous n'aurez que des problèmes avec de soi-disant frères et sœurs. Alléluia. Les païens sont loin. Amen.
Mais ce sont ceux-là avec qui vous vivez. Avec qui vous mangez, vous dites, mais c'est pas possible. Donc c'est comme cela, frère. C'est pourquoi il faut que nous soyons sur nos gardes. Amen. Alléluia. Prudent comme la Bible. Amen. Amen. Vous vous souvenez comment il est dit, non? Alléluia. C'est toujours un homme. Vous savez, quand je dis cela, vous dites, oh frère, tu dois. Je vais vous lire une écriture par rapport à vous puissiez voir. Je pense dans Jérémie, chapitre 15, ou chapitre 16, je pense que c'est cela. Regardons Jérémie d'abord. Puis nous retournerons vite dans l'écriture, que nous attendons de vivre effectivement pour retourner aussi dans les Philippiens. Mais comme je dis, aujourd'hui, nous n'allons pas rester longtemps, nous devons rentrer vite, on ne sait pas si l'année se fera. Alors, dans Jérémie, je pense que. Au chapitre 15 aussi, je pense. Nous allons peut-être retrouver ici. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Regardez. Verset 15. Jérémie chapitre 15, verset 15. Il dit, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Amen. Verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Amen. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis. Solidaire. Amen. Heureux l'homme qui faisait pas compagnie des moqueurs. Amen. Parce que nous devons prêter attention à la parole de Dieu. C'est toujours la manière dont véritablement les fils et filles de Dieu considèrent les choses, c'est dans cette communion avec le Seigneur, et ça te met à part. Alors nous continuons maintenant ce que nous avons à lire avec Étienne, acte 15, Et dis-moi, voilà, verset 13, il dit donc, il produit donc les faux témoins qui disent cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse a données. Vous l'avez remarqué? Alors que cet homme n'a pas dit ça. Donc il commençait à pouvoir ajouter. C'est pour ça aussi, quand vous remarquez, les gens qui vous accusent faussement, ils ajoutent beaucoup de choses. Il a dit ceci, il a dit comme ça, tu as dit ceci. Alors que tu n'as pas dit ça. C'est cet esprit-là, frère. Et cet esprit, depuis longtemps, c'est le même. Amen. Pourquoi est-ce que vous êtes converti, mon frère? À cause de la parole que vous avez. À cause de ce que vous avez reçu du Seigneur. C'est ce qu'Étienne avait reçu. Et voilà qu'il dit, mais il va détruire effectivement. Alors qu'Étienne dit, mais il changera même les coutumes que Moïse nous a données. C'est triste. Alors continuez. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin et ont fixé le regard sur Étienne, la Bible dit, son visage leur parut comme celui d'un ange. Un homme. Étienne, lui, il était là debout, effectivement. Et quand ils ont regardé, quelque chose s'est passé en lui. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, quand même on vous accuse, on vous accable, on dit faussement de vous toutes choses, mais vous défendez jamais. Alléluia. N'oubliez pas cela. Vous savez, la nature est là, on veut toujours se venger. Je vais leur faire, je veux aussi. Ne vous vengez jamais. Amen. Le c'est Dieu lui-même vous justifie. Amen. Et là, ce qui s'est passé avec ici, Étienne, effectivement, oui, on a dit, il ne disait rien du tout. Et puis, même, ils l'ont regardé, il dit, ouh, l'homme que nous accusons, son visage est devenu comme un homme. Amen. Et maintenant, chapitre 7, le souverain sacrificateur dit, verset 1, les choses sont-elles ainsi? Quand son visage a eu à pouvoir rayonner comme cela, c'était déjà Christ dans l'homme. Amen. Donc cet homme-là, quand il regardait ce qui était devant lui, il a visé dans son cœur, il avait pitié. Amen. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu t'est rempli, tu peux même pas voir de la haine. Amen. Vous savez pourquoi? Il y a une dimension dans laquelle nous nous trouvons. Amen.
Et par rapport à eux, en fait, ils sont dans une autre dimension. Donc, vous êtes élevés, en fait. Alléluia. Mais vous savez, c'est vrai, frère. L'Esprit du Seigneur dans un homme les rend totalement différents. Amen. Et le place dans une autre dimension, c'est la dimension de Dieu. Amen. Et quand il regarde les choses, il le voit comme Dieu le voit. Amen. Et ça, c'est une grâce. Et c'est à cela que Dieu veut, réellement, que nous soyons ramenés. Vous allez y arriver, si Dieu permet, dans Philippiens, comme je l'ai dit, parce qu'il faut mourir beaucoup. Mais c'est une grâce pour nous de pouvoir réellement réaliser cela. Je ne sais pas, mais je crois que Dieu, notre Seigneur, il a une façon merveilleuse de travailler dans ses enfants. Amen. Regarde. Alors il dit, mais Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Donc il les ramène maintenant là où les choses ont eu à pouvoir avoir aussi un départ pour l'histoire même d'Israël. Parce qu'il a fallu qu'Abraham soit appelé. Et Abraham est sorti qu'Isaac, non? Amen. Et Isaac, c'est Jacob, non? Jacob est le tribu d'Israël, non? Vous savez, non? Amen. Alors il dit, mais il a parlé d'autre d'Abraham, lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va-t'en, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit donc alors du pays des Chaldéens, s'établit à Charan, et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne leur a aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession, mais qu'à sa postérité, après lui, quoi qu'il n'ait point d'enfant. Dieu parlant ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me serviront dans ces lieux-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance, la circoncision, ainsi Abraham ayant engendré Isaac, et circoncis le huitième jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob et les 12 patriarches. Le patriarche, jamais de Jacob, le vendit pour être amené en Égypte, mais Dieu fit avec lui et délivra toutes ses tribulations, et lui donna effectivement de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et toute sa maison. Il sauvait donc une famille, ainsi. Donc l'homme maintenant raconte et rappelle effectivement à ce peuple ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Et comment au travers de Père, effectivement, Dieu a eu à pouvoir manifester. Parce que plus loin, effectivement, il parle, effectivement, vous pouvez peut-être aller encore un peu plus loin, parce qu'il dit, attendez, je crois que c'est... Il a parlé de... Puis il a envoyé ces choses. Oui, voilà. Je vais dire à partir du verset 44. Il dit, nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse, de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le dire Jacob. Et ce fils Salomon qui lui bâtit une maison, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mes hommes. Comme dit les prophètes, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Ah, verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes ainsi. Vous rendez compte? Il dit, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Vous n'avez pas remarqué? En fait, ils parlent comme le Seigneur. Vous n'avez pas prêté attention. Mais c'est vrai. Tel maître, tel serviteur. Donc ils étaient là, donc ils entendaient, ils disaient, mais cette voix, cette façon de parler nous rappelle celui qu'on a crucifié. Alléluia. Alors qu'il a montré effectivement là où le père ont manqué, ont failli, et aussi le même aussi, dans la même lignée, effectivement. Ils ont crucifié l'Égypte, il a rappelé. Et c'est là que la colère, effectivement, qui est montée, comme on dit Saul, verset chapitre 8, verset 1, Saul. Vous avez remarqué d'abord, je vais dire, c'est dit, mais verset 1, comme il dit, mais lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste et que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été le meurtrier, vous qui avez reçu la loi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. D'après les commandements d'ange et qu'il n'a jamais gardé. Donc vous qui dites nous avons la loi, effectivement, vous transgressez la loi. Vraiment, amen. C'est vrai, c'est écrit. Hein?
Et puis, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus dit par la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la gloire de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les tenèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et ça, c'est quelque chose qui a frappé aussi, en fait, Saül. Et lui qui était là, effectivement, il a eu à pouvoir assister une fois. C'est-à-dire que dans les scènes écritures, il nous fait savoir qu'il était instruit, effectivement, dans cet endroit dans lequel il était rigide et aussi ferme. Et il pouvait voir, effectivement, aussi comment Étienne, le jour de son meurtre, effectivement, comment cet homme était toujours accroché à ce que Dieu lui avait donné comme grâce de pouvoir réaliser effectivement que c'est Jésus, mon frère et ma soeur, c'était lui la réponse de tout ce problème. Jésus-Christ, c'était la réponse de tous nos problèmes, la solution réellement à toutes nos situations. Et c'est comme cela que Étienne, lui, l'a reçu. Et lui, il ne l'avait pas reçu. Mais maintenant, il nous fait savoir que tout ce qu'il avait reçu comme enseignement, dans lequel il pouvait voir que même tout Israël était vraiment ancré là-dedans. Il dit, il a fallu que je puisse aussi trouver grâce aux yeux du Seigneur, que je réalise que toutes ces choses-là auxquelles je m'étais moi-même accroché, et que j'avais cru parce que nos pères nous en avaient parlé, effectivement, et puis la succession des sacrificateurs dans les enseignements, et des lévites, tout cela était ainsi, mais je les ai regardés comme étant de la perte et de la boue. Parce que pour que Dieu remplisse en fait un vase, il faut d'abord qu'il soit d'abord vidé. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'est pas vidé, Dieu ne peut pas le remplir. Parce qu'il est déjà rempli. Si c'est un, vous savez, c'est comme une bouteille qui est remplie, vous versez de l'eau, effectivement, vous perdez ce que vous remplissez. Donc il faut d'abord que cela soit complètement vidé et nettoyé davantage, effectivement. Et c'est ce qu'il avait compris, effectivement. Il dit, effectivement, je regardais toutes ces choses comme étant de la perte, effectivement, et de la boue. Parce qu'il y avait quelque chose que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir réellement reconnaître, réaliser, recevoir, et l'Esprit, effectivement, en disant, mais j'ai renoncé tout, je regarde comme étant de la boue, afin de gagner Christ, verset 9 et 10, Philippiens 3. Et d'être éprouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Parce que tout ce que moi je peux faire, par moi-même, ça ne peut pas être agréé à Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur, a dit effectivement à Moïse, effectivement, va reproduire selon le modèle que tu as vu quand tu étais sur la montagne. Parce que s'il avait fait quelque chose selon ce que lui pouvait penser, Dieu ne pouvait jamais l'agréer. Mais il fallait que ça soit fait, effectivement, comme Dieu l'avait dit. Vous me suivez, frère? Je sais que vous connaissez cela. Je sais que vous le savez. J'ai toujours dit, suivez quand même. Alors il dit ici, il dit, mais, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Parce qu'avec ta justice à toi, tu ne peux pas te trouver en Christ. Ce n'est pas possible. Et il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient donc de Dieu par la foi. Ainsi donc, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, et je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Vous suivez? Maintenant, verset 15, dit ceci. Nous tous, donc, qui sommes
parfait, n'est-ce pas? Amen. C'est écrit, non? Amen. La Bible le dit. Hein? Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai lu ce que nous avons dit tantôt. Comme je dis, vous le connaissez, vous savez déjà que par l'apôtre Paul parlait la perte de la bourse. Vous savez, j'ai dit. Je voulais que même en le lisant, vous puissiez réellement comprendre et saisir ce que cet homme voulait que nous puissions comprendre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mon frère et ma soeur, il était impossible que Dieu remplisse quelque chose qui est déjà plein. Lorsque quelque chose est plein, Dieu ne peut pas le remplir. Donc si Dieu ne le remplit pas, ça veut dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Et pour que Dieu l'utilise, il faut qu'il vive. Amen. C'est comme ça qu'on parle de la sanctification, non? Le nettoyage, effectivement. Et cet homme, effectivement, il était vraiment ancré. D'ailleurs, il lui dit encore plus dans la Galate, effectivement, il dit, mais j'étais vraiment ancré dans les traditions de ma père. Donc moi ici, il dit, mais pharisien, né de bois, il dit, quant à la loi pharisienne, donc, j'y étais détendu, et puis instruit par Gamaliel, un docteur, donc, toute cette connaissance-là, pour moi, j'étais un homme qui disait que ici, Dieu doit venir, c'est par moi qu'il passera et que je ne manquerai pas, je le verrai certainement. Il dit, mais alors là, il y a quelque chose qui m'a troublé d'abord. Parce que depuis que je suis né pharisien, je n'ai jamais rien fait de mal. Donc, instruit et né d'hébreu, parce que je ne suis pas né d'un hébreu mélangé. Non, hébreu, né d'hébreu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et en plus, on ne s'est pas trompé, on n'a pas dépassé, de vous dire comment c'est concis le 9e jour. Non, on m'a circoncis le 8e jour. Et dans ma famille, c'est l'observation de la loi. C'est ce que Dieu avait dit. Et puis nous savions que Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu, citera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous m'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Nous étions instruits. Nous le savions et nous le lisions. Et moi, je savais que si Dieu devait venir avec l'observation de la loi, comme j'ai été effectivement sûr et certain, je verrai. Et d'ailleurs, quand même, ces jours-là, j'étais là où Étienne était dévoilé. Et puis, les témoins sont venus. Il dit que c'est Jésus, c'est Nazaréen. Quand j'ai entendu simplement le nom de Jésus, mais c'était un faux, c'était pas un serviteur de Dieu, c'est Jésus, non. C'est pour ça que j'ai même été là pour pouvoir aussi approuver le meurtre des tiens. Vous me suivez? Amen. Il dit, mais toujours dans ma colère, effectivement, et dans ma quête où j'allais pour pouvoir chercher à pouvoir détruire, quelque chose s'est passé. Sur le chemin où j'allais, quelque chose s'est passé. Et ça a bouleversé toute ma vie. Amen. Non, c'est pas possible. Amen. Parce que quand Étienne m'a laissé sur toi, j'étais là, j'écoutais quand même. Il a même dit, mais, il dit, oh, homme circoncis, oh, mon courriel, effectivement, c'est que vos pères ont été voulus. Vous avez crucifié le juste. J'ai entendu. Et quand la colère est montée, c'est vrai, et m'a monté aussi le cœur, on voulait l'étouffer, j'ai donné ma main aussi. Alléluia. Pour moi, j'ai combattu ce Jésus-là. Parce que je ne le voyais pas, moi, de mes yeux, conforme à ce que Moïse, notre prophète, avait eu à pouvoir dire. Or, c'était le Dieu de Moïse. Amen. Amen. Moïse cherchait à pouvoir le voir. Il a dit, non, tu ne peux pas me voir. Je te cache dans le rocher. Amen. Amen. C'est moi du dos, tu peux le voir. Ce n'est pas ma face. C'est Dieu-là qui était sur la montagne, où la montagne tremblait. C'était ce Jésus. Amen. 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 Ah oui, c'est la vérité. Amen. Lui qui a parlé avec Abraham, avec Moïse, effectivement, avec le soir, c'était ce Jésus. Amen. Parce qu'avant qu'Abraham fût, Alléluia. Je suis. Amen. Mais je suis, on voit vers vous, il est comme ça. Et là, il est combattu, il dit non, c'est Jésus-là, c'est un faux. Et puis, mais, il dit, les Jésus que je ne voulais pas, là, sur le chemin de la mort, parce que j'étais instruit. Alors je vois donc le Seigneur qui s'est mis dans le milieu, il est venu vers moi, parce que moi je suis qui? Je suis un vrai.
Observation de la loi, c'est ça. Et puis je pose la question pour avoir la confirmation. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Amen. Une chose inattendue. Amen. Je veux que vous compreniez. Amen. Pourquoi cet homme a eu pour dire toutes ces choses-là, mon frère. Je les ai regardées comme étant de la honte et de la perte. Quand je lui posais la question, j'aurais pu entendre. Je suis l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ton père, et Dieu de vos pères, effectivement, qui es-tu seul, toi. Alléluia. Il n'a pas entendu cela. Amen. J'ai entendu. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Oh, mon frère dit, mais quel bon. Amen. Je suis tombé par terre. Et aussi aveugle. Parce que ça, non. Dans ma vie, je ne pouvais jamais m'y attendre. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus pour moi était contraire à tout. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, mon béni. Ah oui. Il pouvait faire des miracles, mais je ne croyais pas que c'était Amen. Lui. Amen. Et pourtant, Amen. C'était lui. Amen. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, frères, qui ne sont pas comme ça en filigrane, mais restez dans l'esprit. Amen. Comprenez ce que cet homme pouvait exprimer. Quand il dit, j'ai renoncé à tout. Alléluia. Les choses qui étaient tellement précieuses pour moi que j'ai considéré tellement si importantes. Je les ai regardées comme étant de la perte. Frère, c'était toute sa vie entière. Amen. Depuis sa naissance, il a vécu que pour ça et dans cela. Pas chercher à pécher, pas non, je veux me consacrer à ça, Dieu. Pour que quand Dieu vient, je rende la gloire. Amen. Et si Dieu est venu, il est entré dans la gloire. Saul était sur la terre. Il n'avait même pas reconnu. Vous pouvez vous mettre à sa place, à cet homme. Voir les larmes, les torrents d'âme qu'il pouvait verser. Et aussi, la reconnaissance Amen. Qu'il pouvait avoir à l'endroit de Dieu. Mais quand il a plu, mais quand il a plu, à celui qui m'avait mis à part, oh, je m'apprends à Dieu. Amen. De révéler à moi son Amen. Fils. Frère, la révélation. Ce n'est pas la répétition qu'on est là, c'est quelque chose qui pénètre profondément. Amen. Et tu mets dans un état où tu dis, mais Seigneur, je ne sais comment te glorifier. Amen. Tout ton être entier. Vous savez, peut-être que vous ne l'avez pas expérimenté, mais moi j'ai eu la grâce. Pendant plusieurs années, moi j'ai souffré à cause de la Trinité. Vous connaissez d'ailleurs, ça s'appelle les actions, vous connaissez par cœur ça. Mais quand j'ai entendu, moi, personne ne m'a prêché que le message c'est de Dieu, et c'est vrai, où le prophète est un homme de Dieu, personne ne m'a jamais prêché. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai lu dans cette brochure-là que j'avais moi, il dit, mais hein, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'étais esclave. Qu'est-ce que Dieu le Père? Qu'est-ce que Dieu le Fils? Quel Dieu le Saint-Esprit? Frère, qui peut le faire? Et avec le même amour, c'était pas facile. Hein? C'était un exercice tout à fait difficile pour moi. Mais je m'efforçais parce que je voulais plaire à Dieu. Mais maintenant que tu entends. Alléluia. Amen. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est le seul le titre d'un seul Dieu. Amen. Donc il n'y a pas trois personnes. Il n'y a qu'un seul Dieu Amen. Qui s'est manifesté de trois façons différentes. Amen. Frère, c'est l'explosion. Amen. L'homme est libéré. Amen. Ah oui, il dit, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, il a révélé à moi son fils. Il y a avant, j'ai couru après Gamaliel et tout ça pour dire, docteur Gamaliel, maintenant suis-moi parce qu'il va encore prendre l'avantage. Il dit, mais quand il lui a plu à lui, j'ai révélé à moi son fils. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Amen. Je ne consultais ni la chair, Amen. Ni les sangs. Amen. Je n'ai plus besoin de l'homme. Amen. Mon frère. Amen. Parce que l'homme avait égaré. C'est la vérité. Amen. Oui. Amen. La Bible dit. Alléluia. C'est quoi dans Jérémie?
Ils ont appelé Jérémie, ils m'ont dit, dans Jérémie. Jérémie, j'habite au 17. On va essayer aujourd'hui de terminer 8 ans. On va terminer 8 ans. Le temps de bien fait, très mauvais. Et Dieu, vraiment, on regarde sur le chemin de retour. Jérémie, chapitre 17. On va lire à partir du verset 5. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Vous suivez? Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans un Amen. Qui prend la chair pour appui. Amen. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Amen. Et quand il prend la chair pour appui, il est maudit. Amen. C'est pourquoi ne marchez jamais avec les hommes. Amen. Il a dit, on a entendu, et ceci, et qu'est-ce que tu penses, toi? Je veux trouver un homme. Parce que j'ai failli dire un nom ici, qui se trouve ici, mais il n'est pas. Il faut pas le mot à dire. Qu'est-ce que tu penses, toi? Toi. Ok, un nom comme ça. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est pas nécessaire. Parce qu'on a toujours tendance à pouvoir vouloir avoir un appui quelque part. Vraiment. Amen. Alléluia. Un élu, il m'aime. Amen. Amen. Il n'a confiance qu'en le seul. Amen. Alléluia. Pas en son fils, pas en sa fille, pas en sa femme, pas en son mari. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai le droit de dire Amen. 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 C'est vrai, frère. Il n'a confiance qu'en ce que le Seigneur. C'est pourquoi, quand les gens disent, il faut, parce que tu vois, il faut prendre la décision, il faut faire, jamais, frère. Même si les gens doivent vous insulter, ne faites rien. Même si vous avez les yeux comme ça, vous voyez. Vous savez, même vos yeux peuvent vous tromper. C'est vrai. N'est-ce pas que la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta intelligence. Amen. Amen. Tu peux aussi regarder. Et puis les gens vous disent, mais oui, mais tu vois pas que là, ça veut dire comme ceci. C'est toi qui vois. Il dit que ça veut dire comme ceci. Tu veux que moi je plonge dans ta façon de voir? Non. Amen. Je ne veux pas aller dans ta façon de voir. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin que le Seigneur me montre aussi si la chose en question elle est juste ou pas. Amen. C'est vrai, frères et sœurs. Chacun de nous doit être conduit. Alléluia. Il faut vraiment la conduite de l'Esprit. Il ne faut pas se laisser conduire par l'homme dans sa façon de pouvoir dire. Parce que tout homme cherche à tromper. Vraiment. Amen. Vous l'avez jamais lu dans le Sainte Écriture? La Bible dit que tout homme, soit reconnu pour moi. Amen. Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Nous n'appuyons que ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Amen. Maudit donc soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais ça, il faut que vous puissiez aussi comprendre, frère. Même si vous êtes dans une famille, papa, maman, enfant, et que le membre de la famille se lie pour pouvoir faire quelque chose contre l'eau ou l'autre, effectivement, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Mais qui t'efforce aussi, toi aussi, parce que tu es dans la famille, de pouvoir t'insérer. Parce que si tu ne prends pas part aussi à ce que nous faisons, alors tu es aussi injecté de la famille à cause de la peur de pouvoir dire, mais si aujourd'hui je ne fais pas avec la famille, je serai dans quelle famille? Tu aussi veux prendre aussi une position pour ta famille. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, mon frère, mon soeur. C'est qu'à ce moment-là, si tu es un fils de Dieu, tu as vendu ton droit de naissance. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire vendre son droit de naissance? Je pense que c'est hier que nous l'avons entendu, que
chaque chose, parfois vous pouvez dire, oui, mais ça m'arrive parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça pour moi. J'ai dit non. J'ai dit non. Dieu n'est pas l'auteur de ce que toi tu fais en fait. Parce que Dieu te dit ça, c'est pas ça. Mais toi tu continues, ce qui va arriver devant toi, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous m'entendez bien, bon. Je vais vous lire dans la Sainte Écriture. Toujours dans Jérémie 17. Vous avez ça? Vous pouvez lire avec moi au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie, vous avez ouvert Jérémie, non? Jérémie 17, non, verset 4, il dit quoi? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais. Alléluia. Amen. C'est écrit comme ça, non? Amen. Tu perdras par ta faute. Pas par la faute de Dieu. Par ta faute à toi. L'héritage que moi je t'avais donné. C'est-à-dire que le Seigneur dit, mais retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Vous en connaissez pas. Amen. Ah, nous continuons vite rapidement. Jérémie, chapitre 17, vous allez. Verset, dans le verset 5, là, on lit, il dit, oui, donc soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui et qui détourne son cœur de l'Éternel, n'est-ce pas? Écoutez verset suivant, c'est ce qu'il dit. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7, il dit, vous y vais? Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Vous y Amen. Il est comme un arbre planté près des... Alléluia. Amen. Ça vous rappelle rien? Amen. Et le continue encore. Et qui étend ses racines vers le courant, et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Ah, ah, nous continuons. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Amen. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia. Vous voyez, mon frère? Amen. Et c'est cela la chose que nous devons toujours comprendre et pouvoir réellement se dire que le plus important, ce n'est pas ce que l'on dit de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on veut aussi, moi, que je puisse dire des autres. Amen. Mais c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Et le témoignage que Dieu veut que je rende. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Retournons dans le livre de Philippiens, chapitre 3, que nous avons lu. Avec l'autre. Apôtre Paul, qui nous fait cela. Nous allons y terminer ce soir. Nous tous donc, tu es, tous donc, qui sommes parfaits, comme les hommes faits. C'est pas vrai? Les hommes parfaits. Nous tous donc, qui sommes parfaits. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne parle pas aux autres frères. Je veux que vous prêtiez attention. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. C'est pourquoi il faut que vous puissiez observer ceux qui sont avec vous. Il y en a encore de ceux qui, malgré l'âge, ou même 60 ans ou 80 ans, ne sont encore des enfants. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. C'est pas parce qu'ils ont 80 ans. Oui, ils ont 80 ans, on les respecte comme étant des aînés. Mais dans le domaine spirituel, Alléluia. Ils sont encore des enfants. Amen. Vous observez effectivement par le comportement qu'ils ont et leur manière de parler des choses qui sont en rapport avec les choses spirituelles. Amen. Non seulement des 80 ans, mais même de 40 ans, même de 30 ans, un peu plus encore. Observez simplement la manière dont la personne avec qui vous avez et qui est assise à côté de vous parle effectivement en rapport avec les choses qui concernent Dieu. Alors vous comprendrez effectivement quel est le niveau spirituel de la personne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que la Bible dit que nous donc qui sommes parfaits. Un homme qui est parfait, c'est un homme qui a la sagesse de Dieu. Amen.
C'est un homme, effectivement, auquel Dieu a eu à pouvoir travailler. Que ce soit un frère ou une sœur, Dieu a travaillé son âme. Et il reconnaît la chose la plus importante, qui est principale pour lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Je vais vous montrer. Regardez bien. Je pense qu'il a compris. Vous comprenez. Regardez bien. Écoutez bien. Ici, je vais vous montrer ça. Verset 13, il dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous me suivez? Amen. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Donc ce n'est pas comme une sorte de topo de capot. Vous savez, je pense que c'est le capot dont on parle, effectivement. Je crois que c'est le capot gagné, mais qui a toujours les yeux qui tournent vers l'arrière. Il saute, mais les yeux sont toujours en arrière. Si chaque fois vous avancez, frère, et que vous vous souvenez toujours des choses que telles vous avez fait, et comment les choses avaient fait, il y a un problème. Donc il y a un problème avec vous, mon frère et ma soeur. Il dit, nous devons considérer ce qui est derrière est déjà passé. Amen. Maintenant, je me tourne vers ce qui est en avant. Amen. Si chaque fois je me tourne vers ce qui est en arrière, frère, je ne vais pas avancer. Je fais un pas et puis on me tire encore. Je fais un pas et puis on me tire encore. Je n'avancerai jamais. Mais pour que je puisse bien avancer, je dois oublier ce qui est en arrière. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Amen. Et cet homme ou cette femme a un caractère de ne pas compter les choses qui sont passées. Amen. Il y a un objectif. Je vais vous montrer encore. Chaque fois qu'il y avait un problème qui arrivait, vous savez ce que les enfants d'Israël disaient? Oh, en Égypte, c'était bon. Oh, si, Moïse, si tu savais, mais nous étions bien en Égypte. Toujours en arrière. Toujours en arrière. Mais n'allez pas mal avant. Oh, Dieu vous a fait sortir pour que vous oubliez ce qui est en arrière. Il a même effectivement détruit l'armée de Pharaon et Pharaon dans l'eau pour que vous ne puissiez plus vous souvenir de ces choses. Mais allez simplement en avant. Si je dois me souvenir, je peux dire, Seigneur, gloire à toi. Amen. J'étais dans l'esclavage. Mais tu m'as fait sortir. Maintenant, tu m'as fait marcher. Amen. Mais pas pour dire, ah, je pouvais encore retourner ici, on pouvait encore. J'y voulais encore retourner. Il y a un problème quelque part. Donc il faut que nous sachions effectivement comment nous tenir dans la marche avec Dieu, oubliant ce qui est en arrière. Amen. Vous avez entendu? Amen. Nous retournons au verset 15. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, qui sommes faits. Écoutez bien. Ayons donc cette même pensée. Donc, nous tous qui sommes parfaits, nous devons avoir cette même pensée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si nous sommes parfaits, ce que nous avons atteint, de la même manière, effectivement, le niveau par la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que si toi tu es parfait, moi je suis parfait, et bien nous avons le même esprit. Alléluia. Amen. Et si nous avons le même esprit, nous avons un même cœur. Amen. Nous avons une même pensée. Amen. Donc nous pensons de la manière juste. Amen. Nous pensons de la bonne manière. Je dis, mais ayons donc, maintenant il dit, ayons donc cette même pensée. Maintenant regardez. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis. Ah, j'aime Dieu. Amen. Alléluia. Si toi et moi nous sommes parfaits, nous avons le même esprit. Et que quand la parole de Dieu sort d'un homme parfait, la personne qui est parfaite reçoit le même esprit. Amen. Est-ce qu'il va discuter la parole? Non. C'est impossible. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas le même esprit que toi, il est d'un autre avis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous devons arriver à pouvoir comprendre ces choses parmi nous. La Bible dit, nous devons nous supporter les uns et les autres. Amen. Amen. Quand quelqu'un est faible dans la foi, mais toi tu es fort dans la foi, supporte la personne. Aide la personne. Pour que la personne puisse arriver à pouvoir aussi recevoir ce qui est nécessaire. C'est pour ça que nous devons nous exhorter les uns et les autres. Amen. Et toi qui sais que
un véritable enfant de Dieu, quand il a la connaissance des choses justes, il ne peut pas murmurer, il ne peut pas critiquer, il ne peut pas parler du mal des uns des autres. Et que tu t'assieds et que tu vois un frère ou une soeur qui parle du mal de ton frère et qui vient pour t'introduire dans cela aussi. Quelle est la position que tu dois prendre? Vraiment. Toi qui es parfait, quelle est la position que tu dois prendre par rapport à l'homme? Parce que vous ne verrez jamais un homme spirituel rempli d'esprit de Dieu venir s'asseoir à côté de vous et commencer à parler du mal de l'un comme de l'autre. C'est pas possible. Si quelqu'un vient vers toi et tu l'entends maintenant agir comme cela, comment allez-vous penser de lui? Qu'est-ce que vous allez avoir une pensée de la personne? C'est que la personne n'a pas encore grandi. Amen. Vous ne méprisez pas. Vous ne rejetez pas. Mais vous dites que cette personne n'a pas encore grandi. Parce que s'il avait atteint la maturité, la connaissance que moi j'ai, il ne pourra jamais faire ce qu'il avait. Amen. Donc, moi aussi, j'étais comme lui. Parce que ce n'est pas toujours la même que tu deviens. Non. Non. Par les expériences, par la croissance, l'enseignement, la parole de Dieu, la consécration. Alors, puisque toi, tu es arrivé, qu'est-ce que tu dois faire pour l'autre? Allez dire à l'autre, voyez-vous, celui-ci, il se dit qu'il est un frère en Christ, il se dit qu'il est une sœur en Christ, et voilà ce qu'il m'a dit de tel, 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 tel. Tu trouves ça normal, toi? Quand tu fais ça, tu as le même esprit que lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon frère et ma sœur, dans cette assemblée, il faut qu'il y ait condition. Amen. Je voudrais que Dieu nous accorde la grâce que cette année, toutes les saletés qu'on a eu à pouvoir créer dans l'assemblée, toutes ces choses qu'on a... Parce que, pour l'amour de Dieu, couper les communications téléphoniques avec ceux qui sont plus ici. Quand vous voulez téléphoner, vous les créez aussi des problèmes. Ils sont partis, ils peuvent chercher la foi du Seigneur et aider à pouvoir prier Dieu. Mais ne soyez pas... Ah non, oui, oui, frère, oui, même si c'est, je ne sais pas moi quoi, oui, ma soeur, oui, c'est si, et tu vois, on a dit, vous tuez les autres pour rien. Si vous avez remarqué qu'ils n'ont pas agi comme ça, vous, vous devez maintenant agir de la bonne manière. Amen. Pour aider les autres. Amen. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de camarades. Alléluia. Vous savez, ceux qui vont apporter encore des problèmes dans cette assemblée, dans les temps à venir, ce sont vous, les frères, qui téléphonez aux autres. Je peux vous pointer du doigt, vous savez? Aussi vrai que je me tiens ici, je peux vous dire que je sais que dans l'année à venir, tu vas créer des problèmes. Amen. Je ne peux pas me tenir ici raconter n'importe quoi, parce que j'ai observé l'esprit qui t'anime, en fait. Et comment, effectivement, ça fait, effectivement, je sais que toi, tu apporteras un problème. Vous ne réalisez pas que nous servons un Dieu vivant. Pensez-vous vraiment que Dieu est aveugle? Mais c'est vous qui puis jouer avec les choses de Dieu, frère. Il faut que vous sachiez où est-ce que vous en êtes. Nous avons des jeunes âmes qui viennent, des nouvelles, qui viennent effectivement, que Dieu touche le cœur. Nous avons une sœur qui s'appelle Agnès. Amen. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais... que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah oui, je l'ai eu au téléphone, il dit, mais priez pour que le Seigneur m'aide, je suis malade, que je vienne au moins samedi. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Depuis que cette soeur-là est venue, je ne sais pas combien se sont rapprochés pour dire, on va prier avec toi, soeur. Nous voulons parler avec toi de la parole de Dieu. Et pourtant, quand elle est venue ici, ce n'est pas ni toi ni moi qui l'avons cherché. C'est Dieu. Amen. Tous les jeunes qui viennent ici, effectivement, ils ont besoin de trouver aussi des frères qui sont âgés, des soeurs qui sont âgées, un exemple. Des modèles dans la parole, dans la conduite, effectivement, dans la façon. Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent chez vous? Vous discutez comme des femmes, que ce soit les hommes comme les femmes. Je parle là-bas, vous avez des nouvelles âmes qui viennent et vous trouvez des gens qu'on appelle des frères en Christ, des soeurs en Christ, et vous discutez. Vous envoyez des fois, qu'est-ce qu'une nouvelle âme peut recevoir de vous? Vraiment, amen. Amen. Quel exemple, frère. Il y a des saletés que nous avons amenées, frère, dans nos caractères, dans nos habitudes, en façon de voir vivre. Frère, ici, c'est la maison de Dieu. C'est la sainteté. C'est le respect. Je voudrais que, de maintenant, vous puissiez être respectueux. Dans cet endroit dans lequel vous venez,
Je vous en prie, mon frère et ma soeur. Je ne voudrais plus souffrir le cœur. Si j'apprends un frère, une soeur, des disputes, des ceci et cela, je vous avertis une fois, deux fois, troisième fois, vous battez. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Troisième fois, vous battez. Amen. Frère, on ne peut pas continuer à jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être là pour détruire les âmes qui viennent. Ça fait 50 ans que vous êtes là. Toujours les problèmes autour de vous. Il y a un problème. Alors, si la parole de Dieu ne peut pas vous convertir, moi je ne peux rien faire. Amen. Amen. Voilà. Il faut qu'il y ait une séparation. Alléluia. Dans nos rapports, effectivement, et dans nos conversations, nos langages, il faut que ça cesse. Amen. Vous avez des mauvaises habitudes, des coups de fil, des téléphones, des ceci que vous envoyez. Frère, il faut qu'on soit sain. Si vous n'avez rien à dire à votre frère ou à votre soeur, n'appelez pas. Amen. Amen. Appelez quand Dieu vous met à cœur, appelez pour exhorter, pour parler. Pourquoi est-ce que quand on termine la réunion, on peut dire, ah, frère, soeur, je ne t'avais pas vu les jeudis, mais ou le vendredi. Voilà ce que Dieu nous a fait. Il nous a parlé, viens un peu, on va s'asseoir. Et puis on va s'exhorter. J'étais touché dans mon cœur de voir Graël, Isa, Héritier. Non, ces enfants, ils avaient mon cœur et ils disaient, Dieu est bon. Amen. Ils viennent dans mon bureau là. Je dis, mais qu'est-ce qui ça va chaud? Il me dit, mais oui, on veut te voir. Il me dit, on veut te dire que vraiment, 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 Dieu est bon. Il fait des choses merveilleuses. Il dit, Dieu d'Abraham. Il dit, toutes ces réunions ici, nous sentons que Dieu est en train de vraiment. Et Isaac, il dit, oui. Vraiment, vraiment, dit. Et puis moi, je veux te rendre témoignage aussi. Hein, comment Dieu a eu à pouvoir vraiment, je ne t'avais pas tout dit, hein, comment Dieu a eu à pouvoir me ramener. J'ai regardé, comme j'étais là, une fois, je regardais quand tu étais debout, là, et puis Daniel là, a pris la gueule, oh Dieu, j'ai regardé cela, je suivais cela, j'étais pas là, mais je suivais. J'ai dit, bon Seigneur, bon, si Daniel joue la basse, c'est bon, gloire à Dieu. Et puis il dit, je suis allé prier, je me suis endormi, et j'ai vu que j'étais dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Et il y avait la chorale qui était là, la chorale était habillée comme ça, et puis j'ai regardé, c'est comme je suis habillé, mais comme la chorale. Et puis non seulement cela, mais j'avais une autre guitare, puis j'entendais un son, qui était donc dans l'assemblée, quelqu'un qui jouait vraiment à la guitare solo là. Il dit, mais jouer comme c'était joué encore mieux que celui qui était avant. Alors j'ai dit, et puis il dit, oh mais d'où vient ce son là? Et puis il dit, mais tout d'un coup je me vois, j'étais à l'assemblée et j'étais à la guitare solo. La personne qui me félicitait là, qui était heureuse, je lui disais, mais oh mon petit, mon grand Isaac, toujours très bien, c'était la sœur Marie. Amen. Dans mon son, je vois, il dit, mais frère, l'alibi, c'est quand même extraordinaire. Et puis c'est quand je suis revenu, quand j'étais au solo, la personne qui m'a encouragé, c'est la sœur Marie. Amen. Dieu fait des choses. Amen. Et Gaël qui dit, vraiment, voilà, frère, nous voulons vraiment encore vraiment que Dieu fasse encore davantage à nous. Parce que samedi, par exemple, nous étions là, non frère, je pleurais parce que je me retenais. Il dit, samedi, par exemple, nous sommes restés là. Toute la nuit, pour j'appelle, nous sommes réveillés, finissent le soir pour prier. Hein. Rien que nous étions avec l'héritier, et Isaac, et Isaac, avec moi, nous étions là. Vous connaissez Isaac? Et Dieu me dit, c'est pas. Alors, Gaël dit, et puis nous avons pris la Bible et puis nous exhortons. Donc tous les trois, donc lui l'a pris, quand s'est exhorté, effectivement, il dit, mais est-ce qu'il est merveilleux ce que nous sommes exhortés, les paroles que nous avons eues, que Dieu a prononcées, c'est les mêmes paroles que Dieu a prononcées quand nous dit. Frères et sœurs, je dis, mais Seigneur Jésus, ils sont si jeunes. Et leur désir de pouvoir s'approcher de la parole de Dieu. Ils ont besoin de voir des sœurs âgées ou des frères âgés qui les encouragent. Donc ils viennent ici tout seuls, ces jeunes-là, ils n'ont pas été. On ne va pas les animer ou des films ou le cinéma. Non! Pas les cinémas, on vient là, on veut prier. On veut chercher la foi. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Amen.
Nous avons besoin que Dieu nous aide. Que nous cessons de pouvoir jouer à ces jeux qui sont donc malsains, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais que nous devenons des hommes qui sont des hommes faits. Et qui, maintenant, cherchent simplement à pouvoir marcher avec Dieu et surtout en communion. Et nous soutenons les uns les autres, les frères et les sœurs dans la foi. Frère, nous nous retrouvons. Et c'est vrai, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir un jour venir, vous dire, bon, on va seulement venir, on va chanter, on va prier ensemble, même deux, trois, quatre, effectivement. Qu'est-ce qui vous empêcherait? Par contre, je crois que Dieu nous bénira encore davantage. Regardez les gars, pendant cette période ici, une semaine que nous sommes à la présence, qui pense du mal? Il n'y a personne. Amen. Moi, je pense comme ça. Amen. Nous sommes en rentrant à la maison. Oh, que Dieu te bénisse. Nous avons des bonnes nouvelles. Et on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on est tellement dans nos pensées. Vivement le soir, vivement qu'on a. Même si on est au travail, on tremble. Et puis je dis, mais pourquoi je resterai à la maison? Amen. Oui, aujourd'hui, j'ai dit ça à votre soeur ici. J'ai vu la réunion, j'ai dit, ah, moi, je ne veux pas rester. Il dit, si toi, tu veux rester à la maison. J'ai dit, je ne vais pas manquer la réunion. Et j'ai dit, mais tu vas te payer dans la voiture. Elle a couru avec son père. J'ai dit, moi, si la neige monte, je ne vais pas. Mais comment veux-tu gérer la santé? J'ai dit, mais il faut que je cours. Elle a couru avec ses sacs. Et dans la voiture, j'ai dit, tu ne viens pas. Et puis, elle me dit, mais si tu viens, elle me dit, ah, donne-moi la tu comprendras que si je pars, tu chantes ça, tu ne vas pas te fâcher. C'est la vérité, c'est aujourd'hui. Même qu'on a arrêté, il faut que j'aille, je vais retourner, on va chanter. Amen. Pas glorifier Dieu. Amen. Oui, frère, c'est... quand je fais mes ceci, je gloire à Dieu. Amen. Frère, c'est une vie que nous avons. Amen. Et chaque frère et chaque sœur est précieux. Amen. Il n'y a pas de mauvais ici, nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Nous avons besoin de nous encourager. Amen. Les uns les autres ici, tous nous aimer à papa. Amen. Quand ça ne va pas avec nous, quand c'est... Vous savez, un enfant de Dieu, il peut aussi tomber. Oui. Mais ce qui est important, c'est que quand on le reprend, il revient. Amen. Il ne va pas s'enfoncer les mains. Ça peut arriver comme ça peut arriver aussi. Mais nous nous entourons mutuellement. Nous voulons avancer. Cessez d'être toi là-bas, moi là. Nous, disons le Seigneur, ramène-nous. Amen. Je vais aider mon frère, je vais aider ma soeur à pouvoir revenir effectivement à la marche et dans cela. Nous continuons. Je dis que je ne pas rester longtemps aujourd'hui. Et nous terminons, regardez bien. Il dit, mais vous tous donc, qui sommes donc des hommes parfaits, donc des hommes parfaits, ayons donc cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, frères et sœurs. Nous avons passé un moment extraordinaire hier. Si je demande de rendre témoignage, il y aura des gens. Amen. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas moi. Si je vous dis venir rendre témoignage, il y aura des gens. Dieu a fait. Amen. Nous nous sentions quand même différents. Amen. Pourquoi ne voulons-nous pas garder cette même pensée? Amen. Cette même. Oui. Et élan de cœur maintenant pour nous. Personne ne veut penser du mal. Amen. C'est vrai, non? Amen. Que cela soit quelque chose de permanent. Il dit, mais seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Mon frère et ma soeur, au point où nous sommes parvenus. En plus, bientôt, nous allons prendre aussi la Sainte Cène. Je prie pour qu'il n'y ait pas des absents. Amen. Parce que les dimanches, on est remplis. Quand on dit Sainte Cène, on commence à compter. 3, 4, 5, 6 frères. Les autres sont où? Ils sont absents. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quand tu sens que tu n'es pas toi, il y a un problème avec ton frère, et dans ton cœur, ne va pas prendre la Sainte Cène, c'est une condamnation. Mon frère et ma soeur, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Comment est-ce que, au moment de prendre la Sainte-Cène, c'est à ce moment-là que tu te souviens? Ça, c'est vraiment jouer avec Dieu. Et puis, tu ne viens pas, et puis le lendemain, tu viens. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Seigneur, que Dieu te bénisse! Frère, que Dieu te bénisse! Mais vous insultez les gens. Frère, respectons-nous. Respectons Dieu, frère.
Il faut qu'on arrête de jouer avec les choses de Dieu. Amen. Tu sais que je vais avoir la Sainte-Cène. C'est un moment privilégié pour ma soeur, pour mon frère, pour moi-même. C'est un moment de la communion autour de la parole de Dieu. Amen. Si j'ai un problème, j'arrange mon problème. C'est pas chrétien, frère. Vraiment. Amen. Que le jour s'intéresse, tu prends fuite. Non. Donc ça montre qu'effectivement, que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu ne seras pas avec nous. Vraiment. Amen. Frère, si déjà pour la Sainte-Cène. Vous suivez? Amen. Si déjà pour la Sainte-Cène, tu fouilles, tu ne veux pas avoir communion avec moi. Et puis, les autres jours, oui. Oh, gloire à Dieu, frère, que Dieu te bénisse, effectivement. Mais les jours où tu dois prouver que nous sommes un parce que nous prenons le même pain. Ah, mais j'avais des maux d'été. Mais si tu avais, tu veux venir, on allait prier pour toi. C'est joyeux. Seigneur, même si maux d'été qu'il y a, je dois être dans ta maison. J'arrivais même plus tôt, dit, mais pasteur, j'ai besoin de toi parce que je ne me sens pas bien la tête, tu peux prier pour moi. Oui, on le fera. Vraiment. Mais manquer ces jours-là, c'est pas possible. Si j'ai un problème avec un frère, avec une soeur, j'arrange mon problème. Je lui dis d'abord, frère, et puis d'abord, comment pouvez-vous, frère, laisser toujours vivre avec un problème contre ton frère ou ta soeur? C'est moi le jour de Saint-Saint qui me souviens que j'ai toujours un problème. Mais est-ce que tu as oublié que si le Seigneur venait pendant ce temps-là, avec ses problèmes, c'est même pas parti? Amen. Mais tu es effectif dans ton cœur, dans ton... mais pour l'amour de Dieu, frère. Grandissons. Amen. Bientôt, on va voir la Sainte-Cène. Vous avez le temps, non? Vraiment. Pourquoi fouiller? Mais préparez-vous. Quand tu as un problème, tu sais que je suis surpris dans mon cœur. Contre qui? Vous demandez pardon. Vous arrangez le problème. Mais la Sainte-Cène prendre part à cela. C'est quelque chose à laquelle un véritable fils et fille de Dieu ne peut pas manquer. Peu importe ce que j'aurais fait à qui que ce soit, mais pour la Sainte Cène, frère, je demanderai pas, même s'il faut que je me couche par terre. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que je suis? Je ne vaux rien. Même si tu veux cracher sur moi ou marcher sur moi, il n'y a pas de problème. Mais que je mange la Sainte Cène. Amen. Mais que je prenne part. Si auparavant vous négligez ces choses, ma soeur et mon frère, aujourd'hui, il faut prendre une décision. Être conscient que les actes que vous posez reflètent ce que vous êtes dans le domaine spirituel. Parce que si les choses qui sont importantes pour Dieu, à tes yeux, et ce n'est pas important, et que tu négliges cela comme ceci, ce qui veut dire effectivement que. Toi, en fait, Dieu n'a vraiment pas une grande place, en fait, au point où nous sommes parvenus. Nous sommes appelés à marcher d'un même pas. Ah. Vous savez ce que ça veut dire, marcher d'un même pas? Marcher. Pour marcher avec le même pas, il faut avoir la même foi. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Il faut croire aussi de la même manière. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? La Bible dit, nous qui sommes parfaits. N'est-ce pas qu'Éphésiens 4 en parle aussi, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'unité de la foi. Nous croyons. Si déjà vous êtes assis dans une assemblée et que le pasteur, votre pasteur, prêche la parole, et que déjà vous ne croyez pas à ce qu'il prêche, vous n'avez pas confiance, ne foi dans ce qu'il prêche. Posez-vous un peu la question de voir ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous faites dans cette assemblée? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quand une assemblée ne correspond plus à tes aspirations, amen, et que le pasteur ne correspond pas à ton gabarit, il ne faut jamais rester.
faut pas rester. Parce que tu te tues toi-même et tu pollues aussi ceux qui sont autour de toi. C'est la vérité, parce que les démons qui sont en toi, qui sont dans le monde, vont tourmenter les autres. Tu vas être, mais je suis pas. Si vous savez ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ceci, c'est pas comme ceci. Non. Quand tu n'es pas d'accord, quand tu te sens. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous pouvons entendre une parole, on n'a pas pu bien comprendre. C'est pas qu'on est contre le pasteur. Non. Je n'ai pas bien compris. Ça devient mauvais quand vous n'allez pas voir le pasteur pour lui poser la question. Vous allez voir Jean Bosco. Jean Bosco, dis-moi ce que tu penses, parce que moi je pense que je ne suis pas d'accord avec. Ce n'est pas Jean Bosco qui a prêché. C'est le pasteur qui a prêché. Donc toi, va voir le pasteur. Voilà, pasteur, j'ai un petit souci là. Parce que ici. Moi, j'avais été instruit que le vrai baptême est dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais tu as dit qu'il faut te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, moi, j'ai un peu déficit. C'est normal. C'est normal. Parce que nous avons été instruits comme ça. Maintenant, on entend différemment. Eh bien, on doit poser la question pour qu'on nous éclaire, effectivement, et qu'on puisse nous faire comprendre. Frères et sœurs, votre attention. N'oubliez jamais ceci. Si vous avez un pasteur, peu importe l'endroit où vous allez, que Dieu vous a placé dans cette assemblée et que vous l'avez accepté aussi comme votre pasteur, vous lui devez du respect. Amen. Amen. Non seulement du respect, mais de l'obéissance. Amen. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de votre pasteur comme vous voulez, ni l'impliquer dans tous les saletés qu'on peut trouver à gauche et à droite. Non. Le pasteur reste le pasteur à sa place. Amen. Vous, dans une assemblée, il n'y a pas seulement le pasteur, hein? Il y a les diacres aussi. Amen. Amen. Pourquoi, pour la nourriture, il faut téléphoner le pasteur? Vraiment. Vraiment. Pour chercher les salades désirées, pour téléphoner le pasteur, ce n'est pas le travail du pasteur. Non. Les diacres sont là. Amen. Les diacres qui doivent s'occuper, effectivement. Le pasteur est là pour se consacrer à rien. Amen. À vous prier pour vous. Vous saisissez, mais pas pour des choses inutiles. Un peu là, pasteur. Un peu saisir. Oh, mais voilà, pasteur. Non. Quand vous avez besoin d'un problème qui vous dit sérieusement, allez voir le pasteur. Amen. Amen. Pour les terres, c'est des pommes de terre, ou ceci. C'est pas le travail du pasteur. Amen. Mais parce que bon, il faut torchonner. C'est pas le pasteur. Amen. Amen. Non, mais personne n'est pas là pour moi. Moi, j'ai torchonné. J'ai déjà terminé mon travail de torchon. Mais c'est la vérité, j'ai fait. Maintenant, Dieu a aussi mis des gens pour torchonner. Amen. Occupez-vous de torchons avec les torchons. Amen. Amen. Hey, pasteur, pasteur, le bougie, pasteur, si, si. Frères et sœurs, quand est-ce que les pasteurs vont aller dans les prières? L'humanité? Que Dieu te bénisse, ma bénédiction. Ça aussi, c'est un manque de respect. Oui. Mais c'est la vérité. Parce que si vous le respectiez, vous ne les mènerez pas dans tout n'importe quoi. Parce que vous savez que Dieu l'a placé là pour cette responsabilité pour nous. Amen. Quand on est malade, il va prier pour nous. Amen. Quand je suis malade, même à 1h du matin, le pasteur est là. Amen. Vous savez, non? Amen. J'ai un problème. Mais pas que mon chat est tombé, il est sur les doigts. Allô, pasteur, oh, le chat, il est coincé. Tu dois prendre les siens, laissez-moi. Je monte sur les toits de ses frères ou de ses soeurs pour faire descendre. Ah, gloire à Dieu, c'est un beau pasteur, parce qu'il fait tout. Non, frères et sœurs, il faut qu'on respecte. Parce que si on respecte, effectivement, c'est en fait ce que nous donne à Dieu. Nous devons arriver à pouvoir comprendre une chose, frère. Et quand c'est aussi votre pasteur, votre attention. Et que les gens l'insultent ou parlent du mal de lui. Si vous, vous l'aimez, si vous poissonnez le vie, c'est à vous Amen. De prendre aussi position pour vous. C'est à vous de défendre aussi votre pasteur. Amen. Parce que vous savez qu'il n'est pas comme ça. Amen. Vous aussi, vous devez. C'est ça l'amour. Si c'était votre enfant. Regardez bien, quand on dit les mains à votre enfant, vous montez. Non, mon enfant, on ne peut pas. Oui, pourquoi? Parce que vous l'aimez. Amen. Mais votre pasteur, Amen. Quand on parle de lui, on parle du mal de lui. Vraiment.
Et à ce moment-là, il dit, ah oui, quand même, c'est vrai. Ah oui, on pensait quand même. Et pourtant, il fait tout pour vous. Donc, vous changez les casaques tout d'un coup comme ça. Amen. Et ça change comme ça. Ah oui, hein. Mais quand il a dit, là, je suis réfléchi, il dit, mais il n'a pas tort. Hein. Parce que, pasteur, quand même, on se pose la question, mon frère. Tous les temps que vous êtes, quand est-ce que vous défendrez aussi votre pasteur? Parce que tout le temps, on critique, ah, c'est vrai, il est peut-être comme ça. Tu ne peux pas aussi dire que non, Seigneur, c'est quand même pas possible. Cet homme, on le connaît, on sait qu'il est quand même frère, stop, sœur, stop. Si moi, j'ai téléphone. Même pour prier parfois pour le pasteur. Hein. Quand quelqu'un dit, oh Seigneur, bénis notre pasteur. Mais s'il dit, le pasteur, il est mauvais. Oh Dieu soit béni. Oh, vous suivez. Mais quand on dit, Seigneur, bénis-le parce qu'il vraiment te sert. Oh, amen. Vous savez, la personne, mais c'est Seigneur, il a peur de dire fort amen pour qu'on dise. Lui, il est avec le pasteur. Au contraire, c'est toute l'assemblée qui devait. Amen. Mais c'est l'homme que Dieu vous a donné. Amen. C'est au travers de lui que Dieu vous bénit. Amen. La parole est donnée par lui, effectivement, pour votre bien. Amen. Mais il est le premier que vous critiquez. Vous savez, je vais vous lire une écriture qui m'a aussi touché. Je pense que dans Jérémie, je pense que c'est cela. Et puis nous allons nous lever de prière parce que j'avais dit qu'on va parler si longtemps. Hein. Ah oui, c'est génial. Jérémie chapitre 15. Et ça c'est Jérémie, verset 10. Malheur à moi. Vous y êtes ? Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Tu m'as fait naître, je suis devenu homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête. Cependant, tous me maudissent. Vous suivez? Donc cet homme ici, comme il est dit effectivement, il ne fait rien de mal aux gens. Cependant, il ne maudit pas. C'est Jérémie, hein? Vous pouvez dire que je vois la maison, chapitre 15, effectivement, c'est les autres, effectivement, c'est ici. Il dit, mais cependant, il dit, mais malheur à moi, ma mère, est-ce que tu m'as mis au monde? Il aurait mieux fallu que je naisse pas. Parce que je suis devenu comme un homme de disputes et de querelles. Tout celui qui veut se défouler, il ne peut que me suivre. Il vient un petit rien. Et ça va. Nous devons être reconnaissants à Dieu de ce que le Seigneur nous donne. Amen. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Mais s'il l'a fait et que vous l'avez. Je suis souvent étonné quand je pars en Afrique. Très étonné. Si un jour vous pouvez voyager avec moi en Afrique, vous reviendrez, vous direz, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. La manière dont les frères et dont les sœurs se comportent à l'endroit d'un serviteur de Dieu dans un pays étranger comme cela, à différents endroits, non seulement en Afrique, mais dans la plupart des pays où j'ai eu la grâce de pouvoir aller, on serait très étonné. C'est vrai. Très étonné. C'est vrai. Le respect, le soin, l'humilité, la manière dont le frère et le sœur s'approchent de vous. Je crois que mon frère, je sais que lui, hein? C'est le frère.
Je pourrais vous rendre témoignage, je peux vous dire, effectivement, frère, mais on s'approche, vous savez, on ne s'approche pas d'un homme de Dieu de la manière dont les gens le font. C'est comme devenir un copain. Et surtout qu'on se permet de pouvoir dire n'importe quoi à ce endroit. Vous devriez prendre position pour votre pasteur. Amen. Et quand on prie pour votre pasteur, vous devez tous d'un commun accord. Amen. Et surtout, de qui avez-vous donc honte? Si déjà, ça vous dit que vous avez honte, effectivement, ce que vous n'avez pas foi dans ce que Dieu a travaillé. Vous savez, il fut un temps où la première fois, quand cette sœur-là qui est venue ici, notre sœur, et j'ai oublié son nom qui est assise là, Dieu, vous savez, c'est toujours un problème des prénoms et des noms, des chants. Ah, ma sœur Rachel. Ça, il ne savait même pas que c'était elle que j'allais parler. Il y en a pour toi, sœur Rachel. Il gratte sa tête. Elle était là, elle venait de la France. J'étais ici, j'étais même pas. La sœur a été conduite à prier. Elle n'a prié que pour moi, mais à haute voix. Et c'était la prière. Vous étiez là, non? Amen. C'était la prière de tout son cœur. Et il ne regardait pas ce qui était autour de lui. C'était la première. Je vois que les gens étaient étonnés, mais comment quelqu'un peut prier pour le pasteur comme ça? Et j'étais en train de regarder, je suivais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Mais je crois que c'est important pour nous. Amen. C'est important pour nous de pouvoir arriver à pouvoir aussi exprimer ce que nous avons à l'endroit de Dieu. Amen. Dans la prière. Votre pasteur a fait prier pour nous. Amen. C'est pas frère Branham qui demandait effectivement à l'Assemblée. Je vais partir, mais qui est-ce qui va prier pour moi? Vous pensez que c'était simplement pas formé? Non. Il voulait être sûr et certain de pouvoir savoir s'il y avait de ceux qui les portent dans son cœur, quand il serait de l'autre côté là-bas, qu'il resterait prier. Parce que frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir le combat que votre pasteur traverse. Il est haï non seulement dans ceux qui sont dans l'Assemblée, mais dans plusieurs pays. Amen. Et différents endroits où la parole de Dieu pénètre, effectivement, tout l'enfer s'adresse contre lui. C'est vrai. Mais ce dont il a besoin aussi, c'est d'avoir des vrais frères. Amen. Mes soeurs, sur qui il peut compter aussi. Amen. Il dit, même si je ne suis pas là, mes yeux sont fermés quelque part, je sais que tel frère, telle soeur, tel frère, telle soeur sont des personnes sur qui je peux compter. Amen. Et même si le vent secoue, vous n'attendrez jamais ni propos mauvais, ni mauvaises intentions, parce que Dieu s'est révélé. Amen. Mais combien dans cette assemblée je peux ne pas pouvoir compter? Parce que demain, je sais que vous changerez les casas. Combien sur qui je peux dire, Seigneur, merci de m'avoir donné tel frère, de m'avoir donné telle soeur, parce que je sais que même si je passe un moment difficile, ils seront toujours là. Amen. Frère José, lève-toi un peu. Vous voyez mon frère José, et ma soeur, non? Je ne savais pas, mais les frères parlaient avec les frères. Il leur dit une chose, il dit, ah c'est un bon frère, il leur dit, il y a une chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre, c'est nous qui devons considérer la manière dont Dieu agit avec les pasteurs, pour aussi arriver à pouvoir aussi être autour de lui comme cela se doit. Mais regardez, il leur dit, souvenez-vous du temps de frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait mon frère José? Quand tu as dit au frère, qu'est-ce que tu as dit que frère Branham m'a fait faire? Lève-toi. Tu peux parler très fort. Il faisait signer aux gens qui devaient soutenir le pasteur, de soutenir le pasteur, qu'il soit dans l'erreur ou dans le vrai. Il le soutient à 100%. Merci frère. Amen. J'aurais pu entendre un amen. Amen. Alléluia. C'était pas moi. Ce frère Branham, il a fait signer à ceux qui étaient autour de lui. Il dit, voilà, si vous voulez être avec moi, me soutenir finalement dans les ministères que je suis, voilà ce que vous devez signer. Que je sois dans le droit ou dans l'erreur, que vous ne puissiez pas m'avoir porté les mauvais propos à mon endroit, mais que vous me souteniez dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas le prophète. C'est pas moi, c'était le prophète. Pourquoi cet homme devait arriver à pouvoir faire ça?
quoi cet homme devait arriver à pouvoir faire ça? Vous voyez, mon frère et ma soeur, nous devons avoir une bonne position. Alléluia. Il faut que notre façon d'être. Dieu n'a-t-il pas prouvé qu'il est avec nous? Amen. Mais n'a-t-il pas fait? Amen. N'a-t-il pas prouvé? Amen. Alors, si vous croyez que Dieu est avec nous, respectons ce que Dieu fait. Amen. Alors, soutenons ce que Dieu fait. Prions pour ce que le Seigneur fait. Que nos habitudes aussi mauvaises, frères, puissent arriver à pouvoir cesser. Au point où nous sommes arrivés. Amen. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous soutenons mutuellement et restons attachés à la parole de Dieu pour que même le nouveau qui vient, frères et sœurs, ne laissez pas les nouveaux qui viennent retourner à la maison. Approchez-vous, parlez avec eux. Pourquoi toujours avec vos frères anciens, vos sœurs anciennes? Les nouveaux ont besoin de vous. Amen. Ils veulent aussi connaître aussi comment Dieu agit aussi. Amen. Votre témoignage, votre expérience, ils en ont besoin. Amen. Les jeunes enfants qui aujourd'hui, Seigneur, que Dieu soit avec nous, ils ont besoin de vous. Votre expérience à vous pour les aider aussi à s'accrocher à la parole de Dieu. N'oublions ce qu'il y a en arrière. Amen. Alors, tantôt, ce qui est à l'avant, et je termine par cette écriture, et puis nous lèverons. Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. Verset 1. Hébreux chapitre 6. Juste le verset 1, je pense que c'est cela. Hébreux 6, verset 1 dit : c'est pourquoi, laissant les événements de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Sans poser de nouveaux fondements sur nos chemins, mais nous devons tendre à ce qui est parfait. Amen. Et c'est ce que Dieu attend réellement de chacun de nous. Nous puissions tendre toujours à ce qui est parfait. Dans notre façon de parler, notre façon de voir et notre façon de prier aussi, nous devons tendre à ce qui est parfait. Amen. Et au point où nous sommes parvenus, nous sommes appelés à marcher de même pas. Et si l'un a se plaindre de l'autre, pardonne-nous, réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Voilà que Dieu est en train maintenant de se déverser au milieu de nous. Nous voulons garder en fait cette atmosphère. Nous voulons garder maintenant effectivement cette dimension spirituelle. Peu importe ce que les gens autour peuvent penser, mais nous voulons que Dieu revienne et que le don se manifeste, et que le Saint-Esprit se déverse. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, ne soyez pas timides, ne soyez pas effectivement comme les gens qui sont jeûnés. Quand vous tournez dans la maison du Seigneur, vous sentez que vous voulez vous lever pour danser, dansez. Amen. Ne vous occupez pas de ce que X, Y peut dire. Comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, vous faites ce que le pasteur vous dit. Amen. Si le pasteur dit, mais danser, c'est mauvais, alors vous laissez. Amen. Mais si le Saint-Esprit, qu'on va diminuer, mais s'il faut danser, danser, s'il faut crier, crier, amen, laissez simplement exprimer à Dieu l'amour que vous avez en son nom. Ne restez pas formaliste, mon frère, ma soeur, mais louez Dieu dans votre cœur, au point où nous sommes parvenus. Amen. Marchons même pas. Amen. Et si quelqu'un est dans notre ami, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, notre Dieu, l'éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Amen.